on demande des explications. Parce que souvent, on nous envoie, on a étudié votre dossier, et on s'est aperçu que vous n'avez plus le droit, vous avez le droit de ça, on n'en sait pas plus. Pourquoi on n'a plus le droit? On ne sait pas. Moi, ça fait deux fois qu'on me l'a supprimé l'APL, avec toujours le même salaire que j'ai, et je ne sais toujours pas pourquoi on me l'a supprimé. En parlant de la CAF, on n'est pas là pour ça, mais pour dire un problème, on mène un autre. Avec des petits revenus, on m'envoie une lettre, comme quoi que les revenus, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils me devaient tant. Toute contente, une somme de 900 et quelques francs, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Je suis très contente, je prends cet argent, je vais à Carrefour, Leader Price, je remplis les frigos, j'habille les enfants et tout. Trois jours après, je reçois un courrier, erreur. Vous devez nous rembourser tant prochainement, ce sera prélevé sur vos comptes. Je me retrouve avec un crédit sans vouloir. Je n'ai pas demandé cet argent. Moi, j'ai une allocation de bulletin handicapé qui est renouvelable tous les deux ans. Et à chaque fois, on arrête le mois d'août. Bon, j'envoie un dossier médical pour le renouvellement et je n'ai pas la réponse, donc je me retrouve sans revenu. Alors, je déclenche le RMI, mais le RMI, il faut le temps qu'il arrive. Et quand on va pour en parler, pour dire que ça ne devrait pas être, parce qu'en fait, ça nous met dans la difficulté, et ben c'est un processus qui, paraît-il, semble-t-il, serait normal, puisqu'on nous dit qu'il faut attendre. On ne peut pas dire qu'avec 2295 francs, vous allez pouvoir faire quelque chose dans un mois. Je me le téléphone. Bon, vous dites, je ne téléphone pas beaucoup. Bon, en admettant, vous êtes obligé de téléphoner, pour une raison quelconque, de téléphoner plus. Bon, vous avez, je prends un exemple, 2500 francs par mois pour vivre. Vous avez fait tout le, comme vous dites, votre calcul tous les mois, tous les jours, tout ce que vous voulez, tout ça. Et vous avez compté que votre téléphone, il allait faire, disons, 300 francs. Et manque de peau, ce mois-là, votre téléphone, il fait 500 francs. Donc, il vous manque 200 francs. Vous allez le chercher où? C'est pas vrai. La CNRO ni le machin d'un côté qu'on va toucher. On sait qu'on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à y étaler. Bon, pour moi, c'est comme le prêt de 10 000 francs. La dette de 10 000 francs, on demande à étaler. Donc c'est déjà une dette. À partir du moment où on redémarre le mois d'après avec déjà 200 francs de moins. Je vais te dire un exemple. Hein. Tu vas voir un assistant social ou le secours. Pareil pour ou des assistantes sociales ou peu importe, tu demandes une aide alimentaire. C'est vrai, tu vas me dire c'est une aide alimentaire. Mais quand tu vois que la corbeille à linge, elle est pleine. Tu permets de prendre dans ce bon d'alimentaire à 130 francs quand t'as fait cadeau de 130 francs, c'est gentil. Je dis pas non, dans certains pays, t'as pas droit d'aide, hein, à rien du tout. Mais là, tu dis merci, bon Dieu. Tu te permets de prendre une petite boîte de skip à 13 francs. La caissière devant tout le monde, elle te dit non, madame, on vous a fait ce bon pour manger. Tournez, tu laisses ton chariot, tu laisses ton bon, tu déchires devant la caissière, tu dis non, madame, mais merci, je veux rien. Et voilà. Et aux yeux des assistantes, ça, t'as bénéficié du bon de 130 francs, mais non, tu n'as pas bénéficié. Parce que moi, je l'ai déchiré à la caisse d'attaque de Chambert. Quand vous faites une déclaration d'impôt à deux et qu'après vous vous retrouvez au milieu de l'année toute seule, la déclaration d'impôt, elle n'a rien à voir avec la situation actuelle. Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'au point de vue des administrations, comme par exemple, on ne peut pas payer une facture d'EDF et tout ça, il est certain que si on va voir l'AS, pour lui demander, de demander à l'administration, par exemple l'EDF, de payer en deux fois, on sera beaucoup plus accepté que si c'est nous qui faisons la démarche auprès de l'EDF. J'ai dit, on est obligé de passer par une assistante sociale qui a un diplôme social, et nous on n'est rien, on est un numéro dans la vie. Et en fait, c'est quand même un peu écœurant pour notre orgueil personnel, quoi. On est tellement perturbé par le fait d'avoir encore des factures à payer qu'il arrive un moment où on n'ouvre même pas le courrier parce que bon, ça fait en plus et en plus et en plus et il arrive un moment où vous ne pouvez plus en plus. Je gagne moins que je ne suis obligée de dépenser sans parler de manger. Pour moi, la priorité, c'est le frigo de mes enfants. Quand mes enfants ils rentrent à midi, ils mangent. Moi, je suis contente. Nathan, c'est vrai, il y a toujours... Moi, je parle pour moi. Oui, tout à fait. Il y a toujours moyen de... C'est vrai, mes gamins, il y a moyen. Puis c'est vrai, j'ai l'habitude des bus. Moi, si je suis née à Lyon, les bus, hein, ticket de 50 francs des rémistes, je cours là où je veux. Mais c'est vrai que pour le ticket de bus, il faudrait qu'ils fassent mettre tes enfants avec nous. Hein.
C'est bien beau qu'ils te font le bus à 50 francs, mais quand tu as deux enfants mineurs, tu es obligé de leur payer à plein tarif 8 francs et quelques le ticket. Tu sais que tu ne peux pas avoir l'argent tout de suite. L'assistante sociale, elle ne va pas te sortir de la poche. Moi, je ne critique pas l'assistante sociale, hein, ça vient de plus haut. Elle, elle est là comme intermédiaire, interlocuteur. Elle prend ta demande et puis ça passe ou ça casse. Mais quand tu vas la voir avec preuve à l'appui, voilà mes revenus, voilà ma situation familiale, et qu'elle te casse le moral, on dirait que c'est l'argent qu'elle va le prendre de sa poche. Et toi, gentiment, tu lui dis, je comprends, vous n'y êtes pour rien, faites passer cette demande et on verra bien. Moi, je suis un peu comme ça, l'espoir fait vivre, on verra bien. Et qu'elle te dit, oui, mais vous comprenez, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela. Donnez-moi du travail, je ne demande pas mieux si maintenant vous avez des adresses. Mettez-moi en contact avec eux, puis vous diront si j'étais en contact avec eux ou pas. Quand vous êtes dans la ville, est-ce que c'est toujours l'assistante sociale par rapport à l'urgence? C'est toujours l'assistante sociale que vous pensez en termes d'information? Mais moi, je vais d'abord à la mairie. Mm-hmm. La mairie. Après, de la mairie, je vais voir l'assistante sociale pour savoir mes droits. Je suis allée à la mairie. En premier, j'ai dit, voilà, voilà mon cas. La mairie m'a dit, ah, je regrette, nous regrettons, allez voir au CCAS. Je suis allée au CCAS. Au CCAS, on m'a dit, bon ben, je regrette, c'est nous, c'est pas nous qui le faisons. Il faut aller voir tel endroit. Là, je suis allée à tel endroit. La personne a décroché le téléphone et elle a dit, voilà le cas, gna 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 gna. Et ça s'est très très bien passé. Mais bon, il faut quand même aller à quelque part. Bon, l'assistante sociale était concernée dans cette situation que je vous dis. Donc, je suis passée par la mairie, je suis passée par le CCAS, l'assistante sociale, une autre personne qui m'a été envoyée par l'assistante sociale, et après cette personne-là qui a téléphoné aux autres organismes pour m'orienter correctement. Avec un numéro, et qu'on attend notre tour dans disons, une salle immense, froide, enfin froide, je m'entends, hein, pas accueillante, quoi, on est là. Enfin, pour moi, hein. On est bien accueilli, c'est quand. Pas qu'on nous attend, on n'en demande pas tant, mais bon. On n'a pas l'impression de passer. Voilà. Moi, je pense. Qu'on soit. Parce que. L'accueil, c'est important. La personne qui est souriante, qui sait comprendre, qui s'attache au problème, on sent qu'elle rentre dans le sujet. Tandis que, bon, bah, des fois, on est reçu, c'est un peu froid. On explique quelque chose, la personne est un peu évasive. Moi, une fois, je suis allée aux Assédic. Ça ferme à 4h, 16h. J'y suis allée, c'était moins 10. Donc, 15h, 50, pile. J'arrive là-haut, je vais avec mon dossier. Je vois la personne, donc j'étais toute seule. Elle me dit, vous avez vu l'heure? Comme ça. Ni bonjour, ni rien. Je dis, bonjour madame, je vous apporte ça. Elle me dit, vous avez vu l'heure? Je lui dis, bah oui, c'est 4h moins 10. Alors, elle me dit, on ferme à 4h? Alors je lui dis, ben, il est 90. Elle me dit, non, mais j'ai pas le temps. Et c'est vrai, ça pourrait être si simple de dire, voilà, je suis un exemple, hein, je suis Rémi, j'ai deux enfants, j'ai pas de travail, voilà mes revenus. Tac. Pourquoi le chemin n'est plus bon? Ah, mais à chaque fois, tu es obligé de raconter ta vie, tu es obligé de pleurer, voilà, tu es obligé de. Exactement. C'est lourd, hein. Oui. Moi, c'est lourd. Oui, oui. Ce serait si simple de faire un courrier simple. Voilà, monsieur, je fais appel à votre clairvoyance, ta 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 ta. Tranquille. Bah, c'est là. Je suis rémiste, voilà mes revenus, j'ai deux enfants, je suis sans travail, point. Ça a dû te comprendre, imaginez la chose. Hein. Attends, on fait une demande et puis un petit sourire, un petit défaut, c'est même pas ça. T'as l'impression que tu viens, même les assistants sociaux, on dirait que tu viens leur demander la charité. Ah oui, mais vous comprenez, vous n'êtes pas la seule et puis machin. Puis, oui. Apprends-moi pas ce que je sais, je ne viens pas te voir pour une leçon de morale. Oui. Je suis dans le milieu, je sais que je ne suis pas toute seule. Si vous en voulez des familles, je vais vous en ramener. Hein. Il n'y a pas que vous dans ce cas. Alors ça c'est un mot, je ne peux pas supporter ça, c'est qu'à le dire. Parce qu'on le sait, il n'y a pas que nous, mais on le sait. Et c'est pas ça qui va arranger nos affaires. Et si vous étiez la seule, et si vous... c'est pas une réponse, enfin bon, moi j'estime que c'est pas ce qu'on attend de la personne, au contraire, on va la voir parce que justement, on est dans le cas des autres et on voudrait bien s'en sortir. Ils sont tous pressés, donc ils ne vont pas jusqu'au
à nous attendre jusqu'au bout de ce qu'on a envie de leur expliquer. Enfin, moi, je dis ça, mais c'est totalement pour une chose totalement différente. Je suis allée justement avec une personne pour débattre d'un problème qu'il avait. Eh bien, le dossier ouvert, fermé, moi, j'ai été stupéfaite. Un dossier épais comme ça, même pas 3 minutes. Et c'est là que je pense que les gens, je ne parle pas que d'AS et de choses comme ça, ne prennent pas assez le temps d'étudier le dossier. Moi, je ne vois pas comment on peut donner une réponse quand on n'a pas lu le dossier. Bon, on ne peut pas lire des dossiers épais comme ça toute la journée, c'est évident. Mais je pense qu'il faut rentrer dans le dossier, il faut rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir justement débattre et arriver à une solution. Il avait été remarqué que, par exemple, à la CAF de Savoie, on prend son ticket comme Carrefour, et qu'on a le droit à poser une question, et on a le droit à 7 minutes d'entretien. Les filles, elles sont apparemment à mettre des croix pour le passage. Donc, comment, en étant professionnel, on n'a pas un stress aussi? Et après, en face, la personne qui se dit, est-ce que je pose la bonne question? Si j'en ai une deuxième, il faut que je retourne en caricaturant, reprendre mon ticket. Alors, tout ce que vous venez de dire, il y a d'un côté ce que l'usager vit quand il vient dans un lieu, dans un guichet, dans un box, etc. Et il y a de l'autre côté ce que vit la personne qui accueille, hein, et vous l'avez souligné, il y a effectivement du stress. Mais il y a aussi quand même une démarche des caisses et des organismes sociaux en général, que ce soit des CAF ou des caisses primaires, qui sont bien conscients des problèmes et qui cherchent des solutions. Donc quand on enregistre l'heure d'arrivée et l'heure de départ, c'est pas pour dire il y a 7 minutes, il y a 8 minutes, c'est pour essayer d'améliorer justement les accueils. Parce que les recherches, c'est de recevoir les personnes le mieux possible, alors, avec des compétences, avec du volontariat, avec tout ce qu'on peut supposer, et puis de ne pas les faire trop attendre, et de ne pas faire attendre non plus derrière toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. Parce que l'heure d'arrivée sur le ticket est important, même pour la technicienne qui va recevoir l'assuré, comprendra mieux si l'assuré est agressif ou pas. Nous, avec le système qu'on a sur Lyon, c'est le système Sirius pour justement, il y a le nom de la personne, donc c'est Madame Intel est attendue au box Intel et justement à la banque d'accueil rapide au départ, l'assuré donc donne son nom, son numéro d'immatriculation et par exemple dit, bon c'est des problèmes par exemple d'indemnité journalière mais pour la maternité. Donc c'est tapé sur l'ordinateur. La personne, donc les techniciennes qui sont dans les box, la personne qui va la prendre, donc aura sur l'ordinateur déjà l'heure d'arrivée de l'assuré, sera la raison de réclamations et sa visite, et pourra déjà consulter le dossier de la personne avant de la recevoir. Les explications devraient être à l'entrée de la caisse pour expliquer ce que vous venez de dire. Parce que c'est là le problème, c'est que nous, on ne sait pas ce que vous venez de dire. Comme vous faites à Lyon, ça devrait être tout à fait. Ben oui, à Chambéry, c'est pas ça du tout. Ah non, bon. c'est pas ça du tout. Oui. Oui, moi, je voudrais demander si, par exemple, est-ce que ce serait pas une... parce que là, pour le moment, on a l'impression de perdre son temps quand on va dans des bureaux, parce qu'à chaque fois, c'est la même, on se bute, parce qu'on trouve toujours une autre personne, c'est-à-dire qu'on explique d'abord son problème, donc... une première fois. Et puis après, on nous renvoie parce qu'on a oublié un papier ou autre chose. Donc c'est une perte de temps, d'abord, une perte d'argent pour nous aussi, parce qu'on a que des petits budgets. Et en plus, quand on y retourne, on ne retombe pas sur la même personne, donc on est encore obligé de réexpliquer notre cas. Alors que si on tombait tout le temps sur une personne quand même qui connaît déjà notre dossier, donc il y aurait déjà un gain de temps, et elle pourrait nous dire tout de suite tous les papiers qui manquent. Ça, dans la loi de lutte contre les exclusions, ça a été écrit noir sur blanc. Le problème, c'est la mise en œuvre. C'est-à-dire que compte tenu des historiques des départements, notamment dans l'action sociale, entre les conseils généraux, les services de l'État, les caisses d'allocation familiale, les caisses primaires d'assurance maladie, etc., où chacun a une tradition de travail dans son secteur, l'idée du référent unique, c'est-à-dire qu'un usager arrive, fasse une demande, et que son dossier soit suivi par cette personne de A à Z, c'est inscrit dans le projet de loi. C'est écrit noir sur blanc. Le problème, c'est comment persuader l'ensemble des partenaires à le mettre en œuvre. On est casé dans un ordinateur, et puis finalement, quand on y va, on a d'abord pas la même personne qui nous parle. Deuxièmement, elle ne nous parle pas à nous parce qu'elle parle à l'ordinateur. Hein. Oui, parce qu'elle regarde son ordinateur.
Et si dans l'ordinateur il y a une, il y a quelque chose qui s'est passé et que bon, ben, on n'apparaît plus, et ben bon, on est. Je sais pas comment expliquer, mais donc le dossier il n'y est plus. Alors on nous dit oh oui, mais vous n'avez pas fait vos papiers correctement, il faut revenir. Et alors qu'on a fait les papiers, qu'on a fait toutes les démarches, et on est obligé quand même de revenir, c'est toujours la même personne qui est obligée de s'impliquer finalement. Pourquoi ça marche d'avoir un seul interlocuteur français à la Banque de France en surendettement, et pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs hein? Voilà, c'est ce que je voulais. C'est tout. Débat. Voilà, débat. C'est vrai. À la CAF ou etc., bon, on nous dit c'est comme ça. Mais si on essaye de savoir pourquoi, bon, je prendrai un exemple, c'est tout bête, c'est sur moi, pour l'APL, un coup je l'ai pas, avec le même salaire, pourquoi? Ah, parce qu'on calcule de notre façon à nous. Voilà ce qu'on nous répond, par exemple. Donc ça, c'est un petit exemple. Hein, je crois. Donc c'est ça qui, un petit peu, qui nous... On voudrait avoir les bonnes personnes, puis qu'on nous explique le pourquoi on n'a pas, pourquoi on a, et comment c'est calculé. Parce que je pense que c'est pas parce qu'on est au chômage, etc., qu'on est bête. Quoi. Bon, c'est vrai, vous dites parfois, on voit deux agents, ils ne nous disent pas la même chose. Je le conçois tout à fait. Nos techniciens, ils leur reçoivent une formation d'un an. Un an en cours, où vraiment, le soir, ils sont chez eux, ils apprennent, ils ont des examens, ils ont bon. Et après, rien que pour apprendre la législation, hein, et après, il leur faut une formation, enfin, sur de pratique, au moins, bon, un an, ils arrivent à peu près à être à niveau, au moins 2 ans, pour être vraiment des techniciens performants. Donc, cela fait 3 ans. Et je vous assure ils sont meilleurs. Et dans les 3 ans, et ben, il y aura des choses qui auront changé. Exactement. Et au bout de 3 ans, bon, ben, au fur et à mesure, il faut qu'ils se remettent au courant de tout ce qui a changé entre-temps. Bon, c'est pas, je ne veux pas non plus nous disculper. On est là pour donner des informations, de bonnes informations, des informations justes et tout. Mais c'est vrai, c'est difficile. C'est quelque chose que nous, on a essayé de faire dans notre département par rapport aux aides financières. Il y a 2 endroits où on a fait le choix que quand une personne vient à l'accueil du service social pour une demande d'aide financière, elle a la possibilité, si c'est urgent, d'être reçue tout de suite, hein, puisqu'on fait des permanences d'urgence. D'accord. Donc la personne, elle est reçue tout de suite. Et si c'est moins urgent, on fait des permanences pour les aides financières. Donc on a 2 lieux où ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire que, et on a un lieu aussi où les aides sociales ont fait le choix de recevoir à deux assistantes sociales qui reçoivent une personne pour qu'il y ait plus d'égalité. Ah, c'est bien ça. Elles ont travaillé là-dessus et elles ont ensuite fait une enquête auprès des personnes sur leur lieu. Donc en gros, l'ensemble des personnes étaient plutôt favorables, sauf quelques-unes qui avaient dit que c'était difficile d'être reçues par 2 personnes, ce qu'on peut entendre. Et donc ça, c'était du côté des usagers qui trouvaient qu'ils avaient une meilleure réponse plus rapide et qu'en plus, ça concernait vraiment l'aide financière. Et puis, l'autre avantage, c'est que ça permettait aux personnes de dire qu'elles étaient plus à l'aise après pour parler d'autres choses, puisqu'après, il y avait le choix d'un référent. Et avec ce référent, on pouvait aborder d'autres problèmes. Et pour l'assistante sociale, elle disait elle-même, eh ben, enfin, aux autres moments, on peut écouter vraiment la personne. Je crois que quand vous venez faire une demande, il y a un stress, mais pour l'assistante sociale aussi, il y a un stress. Bien sûr. Il y a un stress de se dire, il faut que je réponde, et peut-être qu'aussi ce stress fait qu'on écoute moins. Et elles disent que quand elles savent que c'est que pour l'aide financière, elles sont préparées, elles savent que ce jour-là, elles vont faire de l'urgence, mais elles s'y préparent, et ça fonctionne mieux. Donc, je crois que c'est important aussi d'essayer de chercher d'autres façons de faire. Et puis l'autre chose, c'était que la personne fasse sa demande. On a travaillé là un nouvel imprimé de demande d'aide financière qui est donc rempli par le travailleur social. Et dans cet imprimé, il y a une page qui n'est que pour la personne elle-même. Donc la personne peut mettre ce qu'elle souhaite. D'accord. Hein? Et on trouvait que c'était important. Donc là, c'est des dossiers où il y a l'instruction par le travailleur social, mais où il y a une page pour la personne. Voilà. Donc on a essayé, bon, donc c'est des petites choses, hein, oui. ça, bon. Mais je crois que c'est important de voir qu'il y a des choses aussi qui sont essayées, bon, qui sont essayées peut-être maladroitement, des fois ça marche pas, mais il y a des choses comme ça qui sont essayées. Quelle information est faite par vos institutions auprès de ces usagers ou je ne sais pas comment les personnes concernées
pour expliquer ce qu'est en train d'essayer de se faire. Alors, on est en train d'envoyer donc une nouvelle carte allocataire à chacun de nos allocataires avec, bien sûr, une petite explication. À quoi va leur, et bien sûr, écrite, à quoi va leur servir cette carte, comment ils pourront l'utiliser, ce qu'ils vont gagner, les plus, voilà. Moi, j'avais vu à l'usage des étrangers des films en vidéo qui ne doivent pas demander de gros moyens à être réalisés et où on montre les gens en situation. Par exemple, il y avait des femmes dans une PMI qui expliquaient entre elles et en français avec l'interprète, mais ça peut aussi se faire uniquement en français, les vaccins qu'il fallait faire pour les gosses, les périodicités, et c'était sous forme de dialogue ou de discours à trois, avec pour le cas des étrangers, parce que moi j'ai très étrangers, par exemple le docteur, l'interprète, en plus ça permettait de reformuler encore une fois les choses, et la personne qui amenait son enfant. Et le système des vidéos, ça supprime le barrage de l'écrit, ça montre aussi une situation concrète, parce que des fois on se dit, quand on ne connaît pas du tout et comment les autres ils se tiennent dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je réponde, de quelle tête je dois faire. Et ces films, moi je trouve que c'était très bien fait. Il y en avait sur les inscriptions à l'école, sur les vaccinations, s'adresser surtout aux femmes étrangères. Dans l'informatique va peut-être aller un peu plus loin, parce que très souvent on a des notifications en changement de votre situation, en changement professionnel, en changement de en fonction de votre changement de situation familiale. Alors, vous voyez, bon, c'est vrai, c'est pas très précis, mais c'est quand même un petit peu plus précis. Mais c'est sûr qu'une notification informatique, elle ne va pas vous expliquer toute votre situation. Par contre, vous recevez ça, vous ne le comprenez pas. Vous pouvez toujours écrire en disant qu'est-ce qui a changé. Et là, on vous fait un courrier manuel et vous avez... Nous, il nous arrive d'avoir des fiches navettes entre des AS et les personnes qu'on vient de voir pour spécifier des choses très terre-à-terre, c'est-à-dire pour France Télécom, on peut demander, enfin bon, mais on vous fait transporter, mais c'est vraiment du technique. Cette fiche navette, moi, je trouve, enfin, ça fait un peu bordereau de service, un type qui se balade avec sa fiche navette comme un colis, là je mets un coup là, un coup là, un coup là. Non, mais c'est... Après, d'ailleurs, il ne faudra pas donner qu'une fiche, donner une petite barquette. Parce qu'il y a toute sa série, il y a quand même beaucoup de... La fiche navette pour les jeunes, on l'avait mis en place avec l'ESCAL, qui sont des éducateurs, et l'ESCAL avait demandé, puis après elle s'est dit non. Quand les jeunes viennent, il faut qu'ils soient capables d'être autonomes, et je trouve que c'est pas plus mal de se débrouiller tout seul. Donc, mais c'est vrai que les gens, ils ne sont pas forcément au départ dans la capacité de saisir ce qui leur est proposé. Bien souvent aussi, les informations, on les a à des moments où on n'est pas concerné par le problème. Et on entend vraiment l'information que lorsqu'on est concerné directement par le problème. C'est ça le problème un peu des petits films, par exemple. Hein, les petits films, si tu les projettes à des gens qui, au moment où ils le voient, n'ont pas aucun intérêt à savoir ce que c'est que la protection santé ou la PMI ou que sais-je, bon, ça va leur passer au-dessus de la tête. C'est un peu le problème des journaux. Hein. Un journal, il sort tout un tas d'informations, mais on en saisit vraiment le contenu que ce qui nous intéresse parce qu'il correspond à notre situation actuelle. La loi de lutte contre l'exclusion, on ne va pas dire qu'elle est inintéressante. Elle offre d'immenses perspectives, mais les décrets, moi je dis qu'il faut les prendre par les pieds, ceux qui les ont fait, ces décrets, et puis leur demander de venir sur le terrain et puis les mettre en œuvre. C'est inapplicable. Le dernier sur l'eau, le dispositif eau, mais bon, ça doit être un énarque, je ne sais pas qui, mais qui a dû se mettre devant sa feuille, qui connaît son milieu, son secteur, qui vient de finir ses études, qui est tout frais, tout rose, mais c'est inapplicable. Donc, je veux dire, c'est au-delà des usagers. Pourquoi ? C'est inapplicable parce que la façon qu'ils ont eu de décliner la mise en œuvre, nous, on ne sait pas faire. On s'est mis la CAF, la DAS, le Conseil Général et un CCS, les techniciens qui ont l'habitude des commissions et des aides financières, on ne sait pas comment faire pour qu'on puisse encore y retrouver quelques valeurs professionnelles, donc la parole de l'usager, la capacité au travail social éventuellement de ne pas instruire quand les gens sont en capacité de le faire. En général, ce sont les institutions qui font ce type d'imprimer ou de documents, donc c'est à eux de donner les moyens
de faire vérifier par les usagers que c'est un document adapté. Nous, on met ça en place à Saint-Étienne, par exemple. Ah oui, c'est ça, je vous ai fait. La sécurité sociale nous consulte à Télécommande pour savoir si les formulaires sont compréhensibles par tout le monde. Et théoriquement, il est prévu qu'on fasse la même chose avec tous les papiers qui sortent de préfecture. Ce qui est quand même plus intéressant que la Sécu, parce que la préfecture, il en sort beaucoup plus. Et on nous demande de faire des relectures à la Télécommande. C'est pour savoir ce que les gens ont compris. Des fois, on s'amuse quand... On demande des explications. Parce que souvent, on en voit, on a étudié votre dossier et on s'est aperçu que vous n'avez plus le droit, vous avez le droit de ça, on n'en sait pas plus. Pourquoi on n'a plus le droit? On ne sait pas. Moi, ça fait deux fois qu'on me l'a supprimé d'APL avec toujours le même salaire que j'ai. Et je ne sais toujours pas pourquoi on me l'a supprimé. En parlant de la CAF, on n'est pas là pour ça, mais pour dire un problème, on mène un autre. Avec des petits revenus, on m'envoie une lettre. Comme quoi que les revenus qui s'étaient trompés, qui me devaient tant. Toute contente, une somme de 900 et quelques francs, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Je suis très contente, je prends cet argent, je vais à Carrefour, Leader Price, je remplis les frigos, j'habille les enfants et tout. Trois jours après, je reçois un courrier, erreur. Vous devez nous rembourser tant, prochainement ce sera prélevé sur vos comptes. Je me retrouve avec un crédit sans vouloir, je n'ai pas demandé cet argent. Moi j'ai une allocation à un bulletin handicapé qui est renouvelable tous les deux ans. Et à chaque fois, on arrête au mois d'août. Bon, j'envoie un dossier médical pour le renouvellement et je n'ai pas la réponse, donc je me retrouve sans revenu. Alors je déclenche le RMI, mais le RMI, il faut le temps qu'il arrive. Et quand on va pour en parler, pour dire que ça ne devrait pas être, parce qu'en fait, ça nous met dans la difficulté, et ben, c'est un processus qui, paraît-il, semble-t-il, serait normal puisqu'on me dit qu'il faut attendre. On ne peut pas dire qu'avec 2295 francs, vous allez pouvoir faire quelque chose dans un mois. Le téléphone. Bon, vous dites, je ne téléphone pas beaucoup. Bon, en admettant, vous êtes obligé de téléphoner pour une raison quelconque, de téléphoner plus. Bon, vous avez, je prends un exemple, 2500 francs par mois pour vivre. Vous avez fait tout le, comme vous dites, votre calcul tous les mois, tous les jours, tout ce que vous voulez, tout ça. Et vous avez compté que votre téléphone, il allait faire, disons, 300 francs. Et manque de pause, ce mois-là, votre téléphone, il fait 500 francs. Donc, il vous manque 200 francs. Vous allez le chercher où? C'est pas vrai. La CNRO ni le machin de l'autre côté qu'on va toucher. On sait qu'on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à y étaler. Bon, pour moi, c'est comme le prêt de 10 000 francs, la dette de 10 000 francs. On demande à étaler. Donc, c'est déjà une dette. À partir du moment où on redémarre le mois d'après avec déjà 200 francs, deux mois. Je dis un exemple. Hein. Tu vas voir un assistant social ou le secours. Pareil pour ou les assistantes sociales ou peu importe, tu demandes une aide alimentaire. C'est vrai, tu vas me dire c'est une aide alimentaire. Mais quand tu vois que la corbeille à linge, elle est pleine, et que tu permets de prendre dans ce bond alimentaire à 130 francs quand tu as fait cadeau de 130 francs, c'est gentil. Je dis pas non, dans certains pays, tu n'as pas droit d'aide, hein, à rien du tout. Bah, là, tu dis merci, bon Dieu. Tu te permets de prendre une petite boîte de skip à 13 francs. La caissière devant tout le monde, elle te dit non, madame, on vous a fait ce bon pour manger. Tournez, tu laisses ton chariot, tu laisses ton bon, tu le déchires devant la caissière, tu dis oh non, madame, mais merci, je veux rien. Et voilà. Et aux yeux des assistantes, tu as
tu as bénéficié du bon de 130 francs, mais non, tu n'as pas bénéficié. Parce que moi, je l'ai déchiré à la caisse d'attaque de Chambert. Quand vous faites une déclaration d'impôt à deux et qu'après vous vous retrouvez au milieu de l'année toute seule, la déclaration d'impôt, elle n'a rien à voir avec la situation actuelle. Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que, au point de vue des administrations, comme par exemple, on ne peut pas payer une facture d'EDF et tout ça, il est certain que si on va voir l'AS, pour lui demander à l'administration, par exemple l'EDF, de payer en deux fois, on sera beaucoup plus accepté que si c'est nous qui faisons la démarche auprès de l'EDF. J'ai dit, on est obligé de passer par une assistante sociale qui a un diplôme social, et nous on n'est rien, on est un numéro dans la vie. Et en fait, c'est quand même un peu écœurant pour notre orgueil personnel, quoi. On est tellement perturbé par le fait d'avoir encore des factures à payer qu'il arrive un moment où on n'ouvre même pas le courrier. Parce que ça fait en plus et en plus et en plus, et il arrive un moment où vous ne pouvez plus en plus. Je gagne moins que je ne suis obligée de dépenser sans parler de manger. Pour moi, la priorité, c'est le frigo de mes enfants. Quand mes enfants ils rentrent à midi, ils mangent, moi je suis contente. Maintenant, c'est vrai, il y a toujours. Moi je parle pour moi. Oui, tout à fait. Toujours moyen de. C'est vrai, mon gamin, il y a moyen. Puis c'est vrai, j'ai l'habitude des bus. Moi, si je suis née à Lyon, les bus, hein, ticket à 50 francs des rémistes, je cours là où je veux. Mais c'est vrai que pour le ticket de bus, il faudrait qu'ils fassent mettre tes enfants avec nous. Hein. C'est bien beau qu'ils te font le bus à 50 francs, mais quand tu as deux enfants mineurs, tu es obligé de leur payer à plein tarif, 8 francs et quelques le ticket. Tu sais que tu ne peux pas avoir l'argent tout de suite. L'assistante sociale, elle ne va pas te sortir de la poche. Moi, je ne critique pas l'assistante sociale, hein, ça vient de plus haut. Elle est là comme intermédiaire, interlocuteur, elle prend ta demande et puis ça passe ou ça casse. Mais quand tu vas la voir avec preuve à l'appui, voilà mes revenus, voilà ma situation familiale, et qu'elle te casse le moral, on dirait que c'est l'argent qu'elle va le prendre de sa poche, et que toi, gentiment, tu lui dis, je comprends, vous n'y êtes pour rien, faites passer cette demande et on verra bien. Moi, je suis un peu comme ça, l'espoir fait vivre, on verra bien. Et qu'elle te dit, oui, mais vous comprenez, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela. Donnez-moi du travail, je ne demande pas mieux si maintenant vous avez des adresses. Mettez-moi en contact avec eux, puis vous diront si j'étais en contact avec eux ou pas. Mon objectif, ça serait de participer à leur réunion. Je ne sais pas qu'il y ait un conseil qui se fasse une fois tous les deux mois, etc. Je ne sais pas comment ils font. Mais qu'il y ait des gens publics et justement des personnes qui ont ces problèmes. Pas encore des personnes qui soient triées, des cadres, etc. Ça ne sert absolument à rien. Il faut des personnes qui ont des problèmes, justement, qui ont ces problèmes, qui puissent discuter avec eux, puis de voir vraiment si on peut faire quelque chose ou pas. Parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui sont bêtes et qu'ils n'y pensent pas. Hein. Comme dans toutes les grosses administrations. Hein. Des choses très simples qu'on ne voit pas. Hein. Sur le monsieur donc, qui parlait de l'université, là, enfin, il proposait des sondages où il parlait d'enquêtes faites par des étudiants. Mais moi, je me dis, pourquoi c'est des étudiants qui font ces enquêtes? Pourquoi ce ne serait pas nous? C'est que nous aussi nous soyons acteurs. On change ce rapport assistant-assisté, qu'on soit tous des acteurs de notre propre histoire en fait. Hier, on a fait un groupe de travail sur l'imprimé unique pour les demandes d'aide financière, dans lequel il y a donc les services de l'État, le Conseil général, les caisses d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole, les CCAS. Secours catholique. Et donc il y a toutes les contraintes des institutions, des contraintes techniques, de saisie informatique, etc. C'est tout un volet de l'imprimé. Et donc on était dans une dynamique d'essayer d'arriver à une procédure de simplification, mais on n'arrive pas à une procédure de simplification. Et après, à la fin de ce document, il y avait deux sous-documents qui étaient, un, le diagnostic posé par le professionnel de l'action sociale, donc essentiellement les assistantes sociales, ou une conseillère, ou un éducateur ou autre, et un autre volet qui était le support de la demande par l'usager. C'est-à-dire,
symboliquement, le volume ou la feuille de papier destinée à l'assistante sociale, c'est le même volume pour l'usager, déjà. Donc, le problème qu'on s'est posé, c'est comment favoriser, c'est en lien avec toute la réflexion sur l'accompagnement social, comment favoriser l'écrit, parce qu'on est obligatoirement par un écrit, on ne peut pas passer par l'oralité, c'est obligatoirement un écrit, comment favoriser l'expression écrite de l'usager, sachant qu'on sait que dès la case départ, on a un certain nombre d'usagers qui, pour X raisons, qui vont de l'illettrisme à un manque de confiance en soi, etc., auront beaucoup de mal dans le bureau de l'assistante sociale, dans un face-à-face, de faire cette demande écrite. Ah, en fait, il n'y a personne qui nous représente dans les commissions actuellement. Oui, mais on ne peut pas être, on peut pas représenter le monsieur et venir défendre un cas. Pour moi, c'est incompatible. Non, c'est pas... En fait, on demande la représentation, pas spécialement de défendre, puisque quelque part, c'est marqué. S'il est défenseur, c'est pas objectif. Non, mais ce qu'on demande, c'est par exemple quelqu'un qui demande à se faire payer son électricité parce qu'il n'y arrive pas. S'il y a 10 personnes comme ça dans la journée qui demandent à se faire payer l'électricité, c'est pas forcément 10 fois la même raison. Bien sûr. Et donc ça, il n'y a personne pour le dire. Et les commissions, elles ont des cases, elles regardent, elles ont une série de raisons. Elles disent, bon, ben, ils ne rentrent pas dans aucune des cases, boum. Donc on ne lui paye pas l'électricité. Donc on demande à ce qu'il y ait quelqu'un qui nous représente et que le législateur n'a pas forcément pensé à ça. Et il peut y avoir des moments où on ne rentre pas dans la case et qu'on mérite quand même un petit coup de pouce pour payer l'électricité. Donc le représentant servirait plus à ça, parce qu'on n'a pas besoin de représentant si on est dans les cases. S'il devait vraiment prendre la parole dans les commissions, il faudrait qu'il soit un membre de la commission. S'il vient pour un dossier individuel présenté à des personnes autres, il n'est pas dans la commission. Si on voulait aller vraiment jusqu'au bout, il faudrait effectivement accompagner un usager qui a des difficultés à s'exprimer, mais il faudrait qu'un représentant, au même titre que les CCS, soit un membre de la commission pour qu'il puisse expliquer la difficulté de vivre au quotidien, d'avoir une parole sur les difficultés de vie des personnes et un éclairage sur les difficultés de relations entre les institutions qui ne soient pas des institutions elles-mêmes. Il faut, comme j'ai noté, avoir vécu les dossiers d'aide financière, ils n'ont pas été ou ils ne sont peut-être pas encore dans la situation des gens dont ils examinent les dossiers. C'est gênant que chaque personne choisisse un représentant, parce que c'est un défilé perpétuel après. Donc la personne, le représentant devient l'avocat de la personne, et la commission va le regarder d'un mauvais œil, parce qu'il vient pour gagner, il vient pas pour expliquer. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que vous voulez quelqu'un qui ne soit pas un institutionnel. Voilà. C'est quelqu'un qui est comme le commun des mortels, qui est un usager, et qui peut, en tant que personne vivant des difficultés, ou pas forcément vivre, mais puisse être, par rapport à des institutionnels qui ont des fois un peu la langue de bois, ou qui sont dans des cases, je ne sais pas si c'est ça, que ce soit quelqu'un qui ait une attitude un peu de bon sens. Qui essaie d'humaniser cette affaire, c'est tout. Il me semble que, c'est vrai que quand on part des commissions, on voit derrière des gens en costume cravate, on a tous des représentations, des gens un peu figés, et qui sont porteurs de certains nombres de cadres institutionnels. Quand c'est la CAF, la MSA, la CICU, la DAS, on a tous effectivement, on est dans des rails un peu, même s'il s'agit de dispositifs d'aide. Et il me semble que vous voulez contrebalancer ça par quelqu'un qui est là, du tout venant, porteur de bon sens, de parole. Enfin, je sais pas. Moi, c'est le terme qui me pose un petit peu problème, c'est chargé de défendre. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il soit chargé de défendre. On n'a pas parlé de défendre. Monsieur parlait de défendre. Il doit amener les notions de la réalité de la vie des personnes qui permettent d'expliquer pourquoi c'est important que, même s'il est en dehors des cases, on lui attribue quand même quelque chose. Il fait réfléchir la commission sur ce sujet. Mais s'il est à la fois en train de défendre la situation, il ne pourra pas faire évoluer. C'est le côté partisan dont il faut. Ce tiers, alors visiblement c'est pas le travailleur social par rapport à ce qu'on a entendu là, mais si c'est l'association qui soutient, je trouve qu'il y a un problème de distance. Enfin, moi je le formule comme ça, mais je sais pas si je suis très claire. Alors. Par qui ils sont salariés? Parce que quelqu'un qui travaille au Conseil Général va pas aller à l'encontre du Conseil Général, sinon il va perdre sa place. Donc,
Dès le départ, il faut décider par qui va payer. Garde. C'est ça le problème. Qui soit payé, c'est tout à fait normal. Qui garde sa liberté de parole. Voilà, c'est ça. Ça. C'est derrière. Anne-Marie, oui. Je voulais juste rajouter sur les adultes relais, les nouveaux métiers de médiateurs sociaux, que dans ces... Moi, je pense que, hormis la rémunération, déjà qu'ils soient réellement des personnes qui connaissent bien le terrain. Parce que souvent, certains médiateurs sociaux ou personnes relais, pour arranger telle ou telle formation, pour préparer des CAP ou autre, ou pour se préparer sur le terrain, on case un peu n'importe qui dans ces formations, dans ces endroits, et puis c'est plus vraiment ça, quoi. Moi, je pense que là, il faut être vigilant aussi là-dessus. Il y a un exemple plus simple qui arrive à beaucoup, énormément de gens, c'est l'exemple de la CMU. Je crois que le plafond, c'est 3600 balles. Si vous touchez 3605 francs, vous n'avez pas la CMU. Moi, je pense que celui qui touche 3605 francs est guère plus riche que celui qui touche 3600 balles. Donc, il n'y a pas... Peut-être c'est un problème qui... Il y a une barrière, là, d'un seul coup. Alors, il y a des gens qui vont se dire, finalement, je ne vais pas aller travailler parce que je vais perdre la CMU. Et quelque part, on se demande s'ils n'ont pas raison. Parce qu'ils perdent quasiment tous leurs droits pour 5 francs. C'est-à-dire qu'il faut que les dispositifs qui viennent compléter la partie légale, c'est-à-dire de la loi, prennent en compte mieux les effets de seuil. Mais on ne peut pas dire qu'on va adapter la loi sur les cas limites. Parce que c'est le bazar. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas trouver des solutions pour les gens, mais si on commence à dire qu'on va adapter la loi, je roule à 160 et puis je devais rouler qu'en 150, je vais aller plaider ma cause, peut-être que j'aurai moins de... Ça va être le bazar. Donc moi je suis d'accord pour dire qu'il faut un représentant des usagers dans les instances où, quand la loi ne répond plus, c'est-à-dire le légal ne peut plus rien faire, c'est-à-dire les commissions d'aide extra-légale, c'est peut-être plus jargon, mais les commissions des différentes caisses dont vous parliez là, elles viennent compléter, elles viennent amener des ressources complémentaires. Là, oui, il faut que quelqu'un vienne pour expliquer ses effets de seuil très concrètement en disant, voyez, j'ai gagné, cette personne a gagné 2 francs de plus et elle perd 700 ou 800 francs. Là, oui. Mais je crois qu'en tant que CAF, niveau institution, je ne vois pas comment on peut dire qu'on a besoin de quelqu'un pour adapter la loi sur les cas limites. Une des fonctions de l'assistance sociale, c'est justement cette fonction de médiation entre l'usager et une institution, et que ce rôle, il est plus rempli, et qu'on est obligé d'aller chercher un médiateur pour jouer ce rôle de médiateur que devrait jouer le travailleur social, se pose le problème de, c'est quoi la mission du travailleur social ? Au niveau de la première demande, au niveau de la demande initiale, pas au niveau du recours, parce que c'est autre chose. Mais il me semblait qu'une des fonctions du travail social, c'était de jouer ce rôle de médiateur, de favoriser l'accès aux droits, l'accès à l'information, l'accès à la citoyenneté pour les usagers en difficulté. Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui s'est perdu dans le temps, c'est cette capacité, c'est pas leur capacité qui a disparu, mais ils ne sont plus du tout entendus par leurs responsables comme ayant connaissance d'un certain nombre de situations difficiles ou capables d'une analyse sur ces situations. Ce ne sont plus que de très bons gestionnaires de dispositifs. Et encore exécutant un certain nombre de dispositifs. Alors, ils ne connaissent pas tout, je suis d'accord avec vous, ils ne savent pas tout, mais ils connaissent quand même un certain nombre de choses qui pourraient être entendues mieux dans leur propre institution avant d'aller ailleurs, de façon à adapter un certain nombre de politiques sociales assez courantes. Bon, par exemple, à la cave de l'Ain, on a su garder quand même un service social qui est en convention avec le Conseil général, certes, mais qu'on peut travailler sur l'adaptation du règlement intérieur. C'est-à-dire que là, on veut modifier l'attribution des prêts ménagers immobiliers. On n'en est pas encore à associer les usagers, mais on réunit les travailleurs sociaux pour savoir qu'est-ce que produit le fait de mettre en place des prêts ménagers immobiliers dans la vie des familles et comment il faudrait le faire évoluer. Sur des secours, sur d'autres choses. Mais je pense que souvent, on n'utilise pas ces gens qui sont en contact avec la population, qui ne connaissent pas tout ça, c'est sûr, qui n'ont pas vécu ce que les personnes en difficulté ont vécu, mais qui sont capables encore d'une analyse.
Et du coup, on les cantonne dans des tâches administratives et c'est le cercle vicieux. Le partenariat, c'est quelque chose qu'il faut privilégier, hein, mais dans les deux sens, oui, hein, les échanges. Alors, si je vais prendre simplement le petit exemple de la CMU, mais je ne vais pas rester longtemps dessus, c'est une loi, c'est une grande avancée sociale. La mise en œuvre a été délicate, parce que la loi, il a fallu mettre tout de suite en application. Et on l'a mis en application et en œuvre parce qu'on a pu compter sur nos partenaires associatifs, dont vous étiez venus également. Et voilà, et sur votre formation. On a formé nos partenaires, les partenaires que l'on connaissait au début de la mise en œuvre de la CMU, enfin informé, et on a gardé le lien, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une actualité réglementaire, on envoie, on a constitué un fichier avec l'accord des partenaires, et on envoie les informations. Dans la loi de lutte contre les exclusions, il y a un article très intéressant, c'est l'article 154. C'est la mise en place des commissions d'action sociale d'urgence. Normalement, il était prévu que tout ce qui était en lien avec les coordinations des aides financières, etc., participe à la fois les institutions et à la fois les associations. Alors bon, moi je peux parler de l'Isère, mais quand on regarde rien que la région Rhône-Alpes, il n'y a pas deux départements où ça fonctionne pareil. Il me semble que là, il y a un espace à s'approprier pour les associations, en interpellant peut-être directement les présidents des conseils généraux et les préfets pour dire nous avons une place, nous avons des choses à dire, nous avons des choses à dire sur comment sont appliqués les décrets, notamment sur les aides financières, etc. Et là, il y a un champ ouvert, hein, c'est-à-dire, nous, services de l'État, si on était sollicité pour travailler plus, on serait intéressé. En Isère, par exemple, pour travailler sur ce champ-là. Parce qu'on se rend compte que là, il y aura un lieu de médiation entre les professionnels de l'action sociale et les usagers. Mais ils auraient des porte-parole qui seraient des associations. C'est-à-dire, moi je pense à l'Isère, il y a Télé Carmonde, les Restos du Cœur, Secours Catholique, Secours Populaire, etc. C'est-à-dire, tout le monde aurait une place, quoi. Et tout le monde pourrait prendre la parole et faire bouger les choses. Mais c'est un espace à occuper. On demande des explications. Parce que souvent, on envoie, on a étudié votre dossier et on s'est aperçu que vous n'avez plus le droit, ou vous avez le droit de ça, on n'en sait pas plus. Pourquoi on n'a plus le droit? On ne sait pas. Moi, ça fait deux fois qu'on me l'a supprimé d'APL avec toujours le même salaire que j'ai. Et je ne sais toujours pas pourquoi on me l'a supprimé. En parlant de la CAF, on n'est pas là pour ça, mais pour dire un problème, on emmène un autre. Avec des petits revenus, on m'envoie une lettre. Comme quoi que les revenus qu'ils s'étaient trompés, qu'ils me devaient tant. Toute contente, une somme de 900 et quelques francs, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Je suis très contente, je prends cet argent, je vais à Carrefour, Leader Price, je remplis les frigos, j'habille les enfants et tout. Trois jours après, je reçois un courrier, erreur. Vous devez nous rembourser tant, prochainement ce sera prélevé sur vos comptes. Je me retrouve avec un crédit sans vouloir, je n'ai pas demandé cet argent. Moi j'ai une allocation à bulletin handicapé qui est renouvelable tous les deux ans. Et à chaque fois, on arrête au mois d'août. Bon, j'envoie un dossier médical pour le renouvellement et je n'ai pas la réponse, donc je me retrouve sans revenu. Alors je déclenche un RMI, mais le RMI, il faut le temps qu'il arrive. Et quand on va pour en parler, pour dire que ça ne devrait pas être, parce qu'en fait, ça nous met dans la difficulté, et ben, c'est un processus qui, paraît-il, semble-t-il, serait normal puisqu'on me dit qu'il faut attendre. On ne peut pas dire qu'avec 2200
295 francs, vous allez pouvoir faire quelque chose dans un mois. Le téléphone. Bon, vous dites, je téléphone pas beaucoup. Bon, en admettant, vous êtes obligé de téléphoner pour une raison quelconque, de téléphoner plus. Bon, vous avez, je prends un exemple, 2500 francs par mois pour vivre. Vous avez fait tout le, comme vous dites, votre calcul tous les mois, tous les jours, tout ce que vous voulez, tout ça. Et vous avez compté que votre téléphone, il allait faire, disons, 300 francs. Et manque de pause, ce mois-là, votre téléphone, il fait 500 francs. Donc, il vous manque 200 francs. Vous allez les chercher où? C'est pas la CNRO ni le machin de l'autre côté qu'on va toucher. On sait qu'on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à y étaler. Bon, pour moi, c'est comme le prêt de 10 000 francs, la dette de 10 000 francs. On demande à étaler. Donc, c'est déjà une dette. À partir du moment où on redémarre le mois d'après avec déjà 200 francs de mois. Je vais dire un exemple. Tu vas voir un assistant social ou le secours, pareil, ou les assistantes sociales, ou peu importe, tu demandes une aide alimentaire. C'est vrai, tu vas me dire, c'est une aide alimentaire. Mais quand tu vois que la corbeille à linge, elle est pleine, et que tu permets de prendre dans ce bon d'alimentaire à 130 francs, quand tu as fait cadeau de 130 francs, c'est gentil, je dis pas non, dans certains pays, tu n'as pas droit d'aide, hein, à rien du tout. Mais là, tu dis, merci, bon Dieu. Tu te permets de prendre une petite boîte de skip à 13 francs. La caissière devant tout le monde, elle te dit non, madame, on vous a fait ce bon pour manger. Tournez, tu laisses ton chariot, tu laisses ton bon, tu le déchires devant la caissière, tu dis oh non, madame, mais merci, je veux rien. Et voilà. Et aux yeux des assistantes sociales, t'as bénéficié du bon de 130 francs, mais non, tu n'as pas bénéficié, parce que moi, je l'ai déchiré à la caisse d'attaque de Chambert. Quand vous faites une déclaration d'impôt à deux et qu'après vous vous retrouvez au milieu de l'année toute seule, la déclaration d'impôt, elle n'a rien à voir avec la situation actuelle. Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'au point de vue des administrations, comme par exemple, on ne peut pas payer une facture d'EDF et tout ça, il est certain que si on va voir l'AS, pour lui demander à l'administration, par exemple l'EDF, de payer en deux fois, on sera beaucoup plus accepté que si c'est nous qui faisons la démarche auprès de l'EDF, nous. J'ai dit, on est obligé de passer par une assistante sociale qui a un diplôme social, et nous, on n'est rien, mais un numéro dans la vie. Et en fait, c'est quand même un peu écœurant pour notre orgueil personnel. Quoi. On est tellement perturbé par le fait d'avoir encore des factures à payer qu'il arrive un moment où on n'ouvre même pas le courrier. Parce que bon, ça fait en plus et en plus et en plus, et il arrive un moment où vous ne pouvez plus en plus. Je gagne moins que je ne suis obligée de dépenser sans parler de manger. Pour moi, la priorité, c'est le frigo de mes enfants. Quand mes enfants, ils rentrent à midi, ils mangent, moi, je suis contente. Maintenant, c'est vrai, il y a toujours... Moi, je parle pour moi. Hein. Oui, tout à fait. Il y a toujours moyen de... C'est vrai, moi, mes gamins, il y a moyen. Puis c'est vrai, j'ai l'habitude des bus. Moi aussi, je suis née à Lyon, les bus, hein, ticket à 50 francs des rémistes, je cours là où je veux. Mais c'est vrai que pour le ticket de bus, il faudrait qu'ils fassent mettre tes enfants avec nous. Hein. C'est bien beau qu'ils te font le bus à 50 francs, mais quand tu as deux enfants mineurs, tu es obligé de leur payer à plein tarif, 8 francs et quelques le ticket. Tu sais que tu ne peux pas avoir l'argent tout de suite, l'assistante sociale, elle ne va pas te sortir de la poche. Moi, je ne critique pas l'assistante sociale, hein, ça vient de plus haut. Oui. Elle est là comme intermédiaire, interlocuteur, elle prend ta demande et puis ça passe ou ça casse. Mais quand tu vas la voir avec preuve à l'appui, voilà mes revenus, voilà ma situation familiale, et qu'elle te casse le moral, on dirait que c'est l'argent qu'elle va le prendre de sa poche, et toi, gentiment, tu lui dis, je comprends, vous n'y êtes pour rien, faites passer cette demande et on verra bien. Moi, je suis un peu comme ça, l'espoir fait vivre, on verra bien. Et qu'elle te dit, oui, mais vous comprenez, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela. Donnez-moi du travail, je ne demande pas mieux si maintenant vous avez des adresses. Mettez-moi en contact avec eux, puis vous diront si j'étais en contact avec eux ou pas. La solitude. C'est quelque chose que j'arrive pas à vivre. Je le vis très très mal. J'arrive pas à supporter cette solitude, puisque maintenant je vis seule et qu'avant j'avais affaire au public en permanence, puisque j'avais des manières de ça. Et cette solitude, je m'y enfonce. Et le plus je m'enfonce dans cette solitude, le moins
j'ai envie de faire de démarches et le moins j'ai envie de faire des choses. Ça me donne une impression de fatigue, de lassitude. Et j'ai pas envie d'aller voir les gens, d'aller voir. J'ai pas envie. Mais je peux pas toujours être en train de réclamer quelqu'un pour discuter ou pour ci ou pour là. Et puis il y a des moments où vous êtes obligatoirement seul, c'est les week-ends. Ah oui. Là, les week-ends, il n'y a pas de problème, et les fêtes. Là, vous ne pouvez pas vous imposer chez les gens qui, le samedi, c'est consacré à faire les courses, par exemple. Et puis le dimanche, on est en famille avec les enfants et le mari et on ne peut pas venir se mettre au milieu. Et ça, c'est ça n'a pas, une conséquence directe sur ce qu'on dit. Mais je pense que toutes les personnes qui sont... un petit peu dans la même situation, doivent ressentir un petit peu ça. Ces gens qui nous reçoivent, ils ne peuvent pas se rendre compte, la personne qui est devant eux ne peut pas se rendre compte dans quel état moral et n'importe quel état moral, financier, de tout ce qu'on veut, dans quel état elle est. Moi, je pense que quand on peut subvenir à ses besoins sans avoir besoin d'aide pendant X années de sa vie, on ne peut pas se mettre à la place des autres. C'est pas possible. Alors, justement, la motivation, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, je pense que moi, je suis devenue... C'est pour ça que j'accompagne les autres. Parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai pas été assez accompagnée, j'ai failli faire une connerie. Et si j'aide les autres comme ça, c'est parce que, justement, je veux leur éviter de faire ça. Mais je pense que si j'avais eu les personnes devant moi qui vous parlent comme moi, je vous parle aujourd'hui, qui me comprennent au moment où ça craquait, où j'avais plus rien. Jamais ils n'ont compris parce qu'eux n'avaient pas ce problème. Il faut vraiment tomber pour se rendre compte et on comprend mieux les autres. Même si elle vous donne, par exemple, l'assistante sociale, elle vous donne 1200 francs, aide familiale, on a droit à ça une fois par an. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je dis que les assistantes sociales ne sont pas faites que pour les dettes. Mais il y a ça, il y a le fait que vous avez des personnes qui ressentent peut-être qu'elles ont eu de la peine dans leur vie, peut-être. Mais quand on a tout, pas tout, parce qu'on n'a jamais tout, mais quand on ne pense pas qu'on peut avoir quelqu'un devant soi qui en soit au stade de ne pas pouvoir parler parce qu'il ne peut pas s'exprimer, parce qu'il est coincé dans tous les niveaux, aussi bien intérieurement que tout ce qu'on vient demander. Et ça, je le reconnais, je parle vraiment pour moi, c'est qu'au début, je ne pouvais pas aller voir l'assistante sociale. Je ne pouvais pas aller voir quelqu'un. Parce que je ne pouvais plus parler. Je pleurais. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais je vous assure, c'était un dialogue vraiment, comme on dit, de sourd. Une assistante sociale qui a compris dès qu'elle m'a vue la première fois. Je suis retournée la voir un an après. Et un an après, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous étiez devenu? Je me suis fait de ces soucis pour vous. Et ça m'a fait quelque chose, vous pouvez pas, je ne sais pas. Je me suis dit, mais ah bon, elle ne m'avait pas oubliée. Elle m'a dit, qu'est-ce que je suis contente de vous voir comme ça. Elle a vraiment cru que j'étais plus retournée parce que je n'existais plus. Tu as certainement raison de dire, si on ne connaît pas ce que les gens ont vécu, connaître, je n'ai pas dit vivre, connaître ce que les gens peuvent vivre à travers l'expression de leur souffrance, à travers l'expression de des difficultés quotidiennes que ça représente, etc., peut-être qu'on ne pourra jamais comprendre et prendre en compte ce que disent les gens. Mais je dis connaître. Moi, peut-être que la question, c'est... Donc ça rejoint la formation, ça rejoint, je ne sais pas, sous quelle forme, ça peut être un film, ça peut être de la rencontre du public. Mais c'est connaître. Et connaître, ça veut dire quelque part comprendre. Il y a des gens que ça rend très égoïste d'avoir vécu des situations comme les vôtres, et qui après ne veulent plus en entendre parler, tracent leur chemin, deviennent les pires individualistes ou les pires égoïstes. Donc, tu vois, aussi parmi les gens qui ont vécu des situations comme ça, ça génère des profils très différents et des démarches très différentes. De la même manière, ceux qui n'ont pas vécu ça et qui sont confrontés à des gens qui l'ont vécu réagissent de manière très très différente les uns des autres. Le travail social, c'est pas une chaîne de production, c'est pas des petits morceaux qu'on met sur une voiture ou des boulons qu'on glisse. C'est une personne avec toutes ses
compétences, ses insuffisances et tous ses problèmes. La première personne qui devrait être là lorsque quelqu'un a des difficultés et qui est l'assistante sociale, et d'entendre dire moi, l'assistante sociale, j'y vais plus, elle peut rien m'apporter, elle n'est même pas capable de me reconnaître en tant qu'être humain, elle n'est pas capable de prendre en charge mon problème, ma difficulté, et j'essaye maintenant de me débrouiller autrement sans passer par elle, c'est grave. Je répète, je ne critique pas du tout les assistantes sociales. Les assistantes sociales, elles font leur boulot, elles prennent ton dossier. Bon, c'est vrai que tu as des assistantes sociales qui font ça, leur boulot, ça s'arrête là, je prends votre demande, on vous convoquera pour vous dire si c'est accepté ou pas. Mais tu as l'assistante sociale, la bonne assistante sociale, et tu as l'assistante sociale casse-morale. Tu vas la voir, elle te casse le moral. Elle te casse le moral. Et pourtant, tu es conscient que tu vas faire une demande et que tu dois avoir une réponse. Comme je le dis, je le répète, l'assistante sociale, ce n'est pas la bonne fée. Hein. Elle ne va pas te sortir ça de sa poche. Hein. Elle touche un salaire, elle est comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de faire, il y a une façon de... Je ne demande pas qu'elle devienne ma copine non plus. Mais... Manque de compréhension, voilà, manque d'humanité. Je ne sais pas, pour moi, le social, c'est humanitaire. Oui, voilà. Pour moi, le social veut dire c'est beaucoup de choses. C'est du social, voilà. Ça, elle n'est pas sociale. On va changer d'assistante sociale comme on change de psychiatre quand ça ne marche pas. Quoi. Oui, ce serait bien ça aussi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les travailleurs sociaux, ils font ce qu'on leur demande de faire. Ah, mais tout à fait. Et je veux dire, ce n'est pas eux qui sont responsables de tous les dysfonctionnements sociaux. Ah, mais pas du tout. Voilà, non, mais. Je veux dire, moi, en lisant les panneaux. Ils font le tambour, alors, en quelque sorte. Laissez-moi finir. J'ai l'impression qu'on focalise sur les assistantes sociales un certain malaise d'un dysfonctionnement qui concerne la société tout entière. Parce que c'est les en l'occurrence, les bailleurs parce sociaux. Parce que c'est les premières qui en sont en l'occurrence, les CCAS. Voilà. Non, mais il faut prendre c'est cette précaution. C'est peut-être qu'ils prennent tout. Je crois que les AS, ce n'est pas simplement des critères personnels. C'est aussi... à la fois, on ne répond pas assez à l'urgence. On ne dit pas assez aux personnes que... Ce qu'elles disent urgent, oui, on comprend que ce soit urgent pour elles, et qu'en même temps, peut-être que si on prend le temps un petit peu plus, ça va être un petit peu différent et l'urgence sera moindre ou l'angoisse sera moindre. C'est tout à fait exact. On fait un travail avec un psychologue qui nous accompagne en tant qu'équipe, qui nous dit souvent, et c'est éviter de répondre à la demande d'urgence immédiatement, parce que vous rentrez dans la... Parfois la psychose des personnes. Il y a une possibilité, ce qui est important, c'est que la personne se sente écoutée, entendue. On dit, non, c'est pas urgent ça, mais on va prendre le temps quand même, même si c'est urgent, on va prendre le temps de regarder de quoi il retourne. Et on évite de mettre des solutions tout de suite comme ça, immédiates. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un décalage important, parce que moi c'est quelque chose que j'entends souvent de la part des professionnels. C'est de dire, mais l'urgence, ça n'existe pas dans le social. Ben voilà. Non, mais c'est pour ça que je trouve que c'est important, c'est parce que moi, j'entends ça. Bien sûr. Or, je pense que pour la personne qui vient, quand elle vient, elle se sent en urgence. Ah ben, bien sûr. Hein? Et donc, il y a sûrement... c'est pour ça que moi, je crois beaucoup à une sorte de sensibilisation de personne qui pourrait même se faire... Pourquoi pas même organiser une réflexion qui serait un peu commune avec des personnes concernées, des élus et des professionnels. Parce que c'est vrai qu'il y a une... Ça ne veut pas dire qu'il faut que par exemple, nous, on épouse totalement le point de vue des personnes. C'est pas ça que ça veut dire. Mais qu'au moins, on essaye... Et moi, je sens bien que sur cette affaire de l'urgence, il y a vraiment une question. Oui, parce que quand j'entends mes professionnels et quand j'entends d'autres personnes... Bah ça me questionne, je me dis, il y a quelque chose là, qu'il faut rapprocher, il y a quelque chose qui va pas. Nous, on a besoin de la relation avec l'assistance sociale, qu'elle soit une relation, c'est pas du courant d'air, enfin c'est pas de l'abattage à la demande. C'est pour ça que j'ai parlé d'accompagnement social tout à l'heure, parce que l'accompagnement social, c'est pas, c'est pas de l'acte, quoi. C'est pas du travail social à l'acte. J'ai tant d'actes à faire à l'heure, je sais pas quoi. Non, c'est ça, oui. Ah, oui. Le problème, il est là, quoi. Oui, mais là, nous, on le ressent quand même comme ça. Et c'est malheureusement de plus en plus comme ça. Alors, bon, je crois
fois que là, c'est un réel problème. Là. Il y a quand même des questions à se poser. Là. Oui, oui. Ah ben, alors, on voit, par exemple, le développement dans les centres sociaux d'un certain nombre de nouveaux métiers, comme écrivain public, médiateur, etc. D'ailleurs, pour permettre, effectivement, aux populations, je ne sais pas si c'est une histoire de temps. Une histoire de temps, mais de confiance et de Non, mais je me mets du côté des professionnels qui sont chargés, normalement, de jouer ce rôle-là, quoi. Le travail social en MSA, qu'on essaie de faire autrement parce que les missions ont été un peu différentes, c'est-à-dire qu'effectivement, on est moins dans de l'abattage. Parce que les personnes viennent nous voir, donc je resitue les choses, hein, on intervient dans un milieu rural et on va au domicile très souvent des personnes. Hein. Notre principale activité sur les 11 travailleurs sociaux de mon équipe, dont je suis responsable, ils vont pour 70% de leur temps de travail au domicile des personnes. Hein. Ça s'explique aussi parce qu'on a beaucoup d'exploitants agricoles hein, qui sont donc bénéficiaires du RMI avec des situations difficiles, d'isolement. Et effectivement, là, on est dans une autre démarche, c'est-à-dire qu'on est plus derrière un bureau. De fait, les barrières sont un peu cassées. Hein, quand on est autour de la table de la cuisine, on prend du temps, forcément. On va d'abord, avant d'être à ouvrir le dossier, à le remplir sur des formulaires administratifs, on va d'abord parler de comment vont les enfants, enfin des choses qui sont de l'ordre, on appelle ça de l'affiliation, quoi, tout simplement. Mais le problème, c'est qu'on peut le faire parce qu'on a des missions bien précises et qu'on ne fait pas actuellement le travail social auquel sont confrontés les conseils généraux, qui sont des flux, des masses. C'est un choix politique que la MSA a fait, c'est-à-dire de se spécialiser et de consacrer surtout l'énergie de ces travailleurs sociaux dans un accompagnement construit dans la durée. L'accompagnement social, effectivement, il faut du temps, hein. Il faut du temps, il faut de la formation pour les travailleurs sociaux qui sont usés quand ils font effectivement de l'abattage. Ils sont dans une situation où ils se protègent aussi, hein. Ce sont des personnes humaines, quoi. À mon avis, il y a aussi forcément pour eux, quand on reçoit, je sais pas, 30 personnes peut-être, c'est impossible d'être disponible là. Elles disent, nous, les travailleurs sociaux MSA, quand ils vont au domicile, ils arrivent à avoir deux familles dans la journée, qu'on a eu des distances kilométriques. Donc on est disponible quand on voit deux personnes dans la journée. C'est pas du travail de luxe quand même, hein, attention. Je suis un petit peu partagé, effectivement, entre ce que peuvent dire les usagers qui, effectivement, ressentent une mauvaise compréhension ou une mauvaise approche de leurs problèmes par les travailleurs sociaux. Je pense qu'effectivement, c'est une réalité, en tout cas dans ce qu'ils perçoivent. Ça, je comprends tout à fait, je l'accepte bien. En même temps, je me dis, les travailleurs sociaux ont une autre difficulté qui, effectivement, est de dire, nous, on est débordés, on n'y arrive pas, on est saturés et on en a marre de travailler de cette manière, c'est-à-dire d'enchaîner les instructions de dossier, alors qu'on voudrait vraiment faire un accompagnement de ces personnes en difficulté, mais on nous demande d'instruire de dossiers, c'est de plus en plus complexe. On parlait du FSL tout à l'heure, mais effectivement, ça devient faramineux. Donc eux sont aussi dans cette difficulté, et finalement, ce qu'on leur reproche, ils aimeraient bien, ce que peuvent leur reprocher les usagers, ils aimeraient bien en sortir de cette difficulté. Donc alors là, comment on peut gérer ce qui peut être paradoxal? Vous avez dit plusieurs fois que c'est important qu'il y ait plus de temps d'écoute, que les travailleurs sociaux aient plus le temps d'écouter. Et moi, je pense, si on veut que nos travailleurs sociaux aient plus le temps d'écouter, il faut qu'on les décharge d'autres choses. Et donc, moi, je pense que ça, c'est un point très important et que ce serait bien qu'on puisse développer pour un certain nombre d'aides quand, ben, comme tu dis, quand c'est pour question de revenus, ben, à ce moment-là, la personne peut très bien expliquer. Et moi, je pense, en particulier, à l'heure actuelle, avec, par exemple, sur le fonds énergie, dans le cadre de notre fonds énergie, on aide 80% des personnes qui sont en minima sociaux. Il n'y a pas besoin de diagnostic d'un travailleur social pour simplement dire que cette personne est en minima social et qu'il y a des chances que souvent elle va demander l'aide du fonds énergie. Donc moi je trouve que là il y a une réflexion à avoir et puis peut-être que ce serait aussi, vous avez insisté sur le fait que ça redonne sa place à la personne. Ah, tout à fait. Que sur certains points. Bon, mais en même temps, c'est délicat parce que nous, pour le fonds téléphone, on a dit aucun travailleur social ne va faire. Mais du coup, on a presque personne qui demande. Oui. Mais il y a peut-être d'autres raisons. Mais ce n'est pas simple non plus. Alors, l'État me dit, mais vous voyez, vous exagérez. Parce que bah, du coup, comme vos travailleurs sociaux n'ont pas voulu faire les demandes, et bah, les gens n'y ont pas accès. Vous voyez, c'est complexe. Parce qu'ils ne sont pas informés. Voilà, parce qu'ils ne sont pas informés. Alors comment? Voilà, donc moi, je suis pour ça, mais je vois bien le... Mais moi, pour l'avenir,
pour résoudre ces problèmes sur lesquels on a insisté d'écoute et de prise en compte de la personne, moi je pense que si on veut que les assistants sociaux puissent mieux le faire, il faut les décharger d'autres choses. Moi je suis formelle, je vois pas d'autre solution. On demande des explications. Parce que souvent, on vous envoie, on a étudié votre dossier et on s'est aperçu que vous n'avez plus le droit, vous avez le droit de ça, on n'en sait pas plus. Pourquoi on n'a plus le droit? On ne sait pas. Moi, ça fait deux fois qu'on me l'a supprimé d'APL avec toujours le même salaire que j'ai. Et je ne sais toujours pas pourquoi on me l'a supprimé. Quoi. En parlant de la CAF, on n'est pas là pour ça, mais pour dire un problème, on mène un autre. Avec des petits revenus, on m'envoie une lettre. Comme quoi que les revenus étaient, qu'ils s'étaient trompés, qu'ils me devaient tant. Toute contente, une somme de 900 et quelques francs, c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est énorme. Je suis très contente, je prends cet argent, je vais à Carrefour, Leader Price, je remplis les frigos, j'habille les enfants et tout. Trois jours après, je reçois un courrier, erreur. Vous devez nous rembourser tant, prochainement ce sera prélevé sur vos comptes. Je me retrouve avec un crédit sans vouloir, j'ai pas demandé cet argent. Moi j'ai une allocation à bulletin handicapé qui est renouvelable tous les deux ans. Et à chaque fois, on arrête au mois d'août. Bon, j'envoie un dossier médical pour le renouvellement et je n'ai pas la réponse, donc je me retrouve sans revenu. Alors je déclenche un RMI, mais le RMI, il faut le temps qu'il arrive. Et quand on va pour en parler, pour dire que ça ne devrait pas être, parce qu'en fait, ça nous met dans la difficulté, et ben, c'est un processus qui, paraît-il, semble-t-il, serait normal puisqu'on nous dit qu'il faut attendre. On ne peut pas dire qu'avec 2295 francs, vous allez pouvoir faire quelque chose dans un mois. Je me le téléphone. Bon, vous dites, je ne téléphone pas beaucoup. Bon, en même temps, vous êtes obligé de téléphoner pour une raison quelconque, de téléphoner plus. Bon, vous avez, je prends un exemple, 2500 francs par mois pour vivre. Vous avez fait tout le, comme vous dites, votre calcul tous les mois, tous les jours, tout ce que vous voulez, tout ça. Et vous avez compté que votre téléphone, il allait faire, disons, 300 francs. Et manque de peau, ce mois-là, votre téléphone, il fait 500 francs. Donc, il vous manque 200 francs. Vous allez le chercher où? C'est pas la CNRO ni le machin de l'autre côté qu'on va toucher. On sait qu'on n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On demande à y étaler. Bon, pour moi, c'est comme le prêt de 10 000 francs, la dette de 10 000 francs. On demande à étaler. Donc, c'est déjà une dette. À partir du moment où on redémarre le mois d'après avec déjà 200 francs, de moi. Je m'en dis un exemple. Tu vas voir un assistant social ou le secours. Pareil pour ou les assistantes sociales ou peu importe, tu demandes une aide alimentaire. C'est vrai, tu vas me dire c'est une aide alimentaire. Mais quand tu vois que la corbeille à linge, elle est pleine, tu permets de prendre dans ce bon d'alimentaire à 130 francs quand t'as fait cadeau de 130 francs, c'est gentil. Je dis pas non, dans certains pays, t'as pas droit d'aide, à rien du tout. Bah, là, tu dis merci, bon Dieu. Tu te permets de prendre une petite boîte de skip à 13 francs. Que la caissière devant tout le monde, elle te dit non, madame, on vous a fait ce bon pour manger. Tournez, tu laisses ton chariot, tu laisses ton bon, tu le déchires devant la caissière, tu dis oh non, madame, mais merci, je veux rien. Et voilà. Et aux yeux des assistantes sociales, t'as bénéficié du bon de 130 francs. Mais non, tu n'as pas bénéficié. Parce que moi, je l'ai déchiré à la caisse d'attaque de Chambert. Quand vous faites une déclaration d'impôt à deux et qu'après vous vous retrouvez au milieu de l'année toute seule, la déclaration d'impôt, elle n'a rien à voir avec la situation actuelle. Mais ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'au point de vue des administrations, comme par exemple on a
on ne peut pas payer une facture d'EDF et tout ça. Il est certain que si on va voir l'AS pour lui demander, de demander à l'administration, par exemple l'EDF, de payer en deux fois, on sera beaucoup plus accepté que si c'est nous qui faisons la démarche auprès de l'EDF. J'ai dit, on est obligé de passer par une assistante sociale qui a un diplôme social, et nous on n'est rien, on est un numéro dans la vie. Et en fait, c'est quand même un peu écœurant pour notre orgueil personnel, quoi. On est tellement perturbé par le fait d'avoir encore des factures à payer qu'il arrive un moment où on n'ouvre même pas le courrier parce que bon, ça fait en plus et en plus et en plus, et il arrive un moment où vous ne pouvez plus en plus. Je gagne moins que je ne suis obligée de dépenser, sans parler de manger. Pour moi, la priorité, c'est le frigo de mes enfants. Quand mes enfants ils rentrent à midi, ils mangent, moi, je suis contente. Maintenant, c'est vrai, il y a toujours... Moi, je parle pour moi. Oui, tout à fait. Il y a toujours moyen de... C'est vrai, mes gamins, il y a moyen. Puis c'est vrai, j'ai l'habitude des bus. Moi, si je suis née à Lyon, les bus, hein, ticket à 50 francs des rémistes, je cours là où je veux. Mais c'est vrai que pour le ticket de bus, il faudrait qu'ils fassent mettre tes enfants avec nous. Hein. C'est bien beau qu'ils te font le bus à 50 francs, mais quand tu as deux enfants mineurs, tu es obligé de leur payer à plein tarif, 8 francs et quelques le ticket... Tu sais que tu ne peux pas avoir l'argent tout de suite, l'assistante sociale, elle ne va pas te sortir de la poche. Moi, je ne critique pas l'assistante sociale, hein, ça vient de plus haut. Elle, elle est là comme intermédiaire, interlocuteur, elle prend ta demande et puis ça passe ou ça casse. Mais quand tu vas la voir avec preuve à l'appui, voilà mes revenus, voilà ma situation familiale, et qu'elle te casse le moral, on dirait que c'est l'argent qu'elle va le prendre de sa poche, et toi, gentiment, tu lui dis, je comprends, vous n'y êtes pour rien, faites passer cette demande et on verra bien. Moi, je suis un peu comme ça, l'espoir fait vivre, on verra bien. Et qu'elle te dit, oui, mais vous comprenez, il faut travailler, il faut ceci, il faut cela. Donnez-moi du travail, je ne demande pas mieux si maintenant vous avez des adresses. Mettez-moi en contact avec eux, puis vous diront si j'étais en contact avec eux ou pas. À partir du moment où une assistante sociale est sollicitée par quelqu'un pour une aide, parce qu'il y a une dette d'énergie, l'assistante sociale décroche son téléphone à EDF pour que l'électricité ne soit pas coupée. Et donc on a un règlement pour que l'électricité ne soit pas coupée. Il y a un service minimum qui peut être mis en place, mais l'électricité n'est pas coupée. Donc pour nous, ce n'est pas une aide d'urgence. Parce qu'à partir du moment où l'électricité n'est pas coupée, on ne considérera pas que c'est vital. Et c'est vrai qu'on a cette interprétation de l'urgence. Par exemple, on travaille aussi sur la protection de l'enfance. Pour nous, la protection de l'enfance, c'est une urgence. Et des aides qui peuvent être délivrées en une journée, parce que tout à coup dans une famille où il y a un enfant mineur, il n'y a absolument plus rien à manger. Donc là, on va considérer que c'est l'urgence. Et c'est vrai, tout le reste, type eau, s'il n'y a pas de coupure, type EDF, s'il n'y a pas de coupure derrière, logement, on ne considérera pas que c'est l'urgence. Si vous voulez, je vais vous donner un truc tout bête qui m'est arrivé l'autre jour. Mon loyer n'a pas été payé par ma banque. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir l'assistante sociale en me disant dans ma tête, elle va peut-être pouvoir me donner un petit quelque chose pour au moins payer ce loyer-là, pour pas que ça s'accumule, pour que je récupère le mois prochain. Ça me soulage. Elle m'a présenté, elle m'a dit, je vais vous donner un dossier de surendettement, puis vous le ferez. Mais surtout, vous arrêtez pas de payer vos dettes. Et surtout, vous arrêtez de vous servir de vos crédits revolving. Je peux vous dire que quand je suis sortie de chez elle, j'ai eu l'impression qu'on ne s'était pas compris. Je vous demandais, pour vous, ça aurait été quoi la réponse? La réponse, ça aurait été dire, écoutez, d'une part, je prends mon téléphone, j'appelle l'office d'HLM en leur disant, voilà, d'une part. Et d'autre part, avoir la possibilité... d'avoir, elle, un fonds quelconque, au niveau du département, par exemple, avoir une caisse, pour pouvoir donner une aide tout de suite, en disant, écoutez, ce mois-ci, c'est nous qui réglons votre loyer pour vous éviter. Bien sûr qu'il ne faut pas que je revienne tous les mois en disant, il faut me payer mon loyer. Mais une fois, comme ça, parce que, il y a des problèmes, qu'on me dise, allez, pour une fois, on vous règle votre loyer.
même, vous ne l'imaginez pas, mais je crois qu'il faut l'intégrer dans la démarche, c'est que le travailleur social, l'assistante sociale qui est en face de vous, elle a elle-même un certain nombre de procédures qu'elle mais peut utiliser. Mais oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Qu'elle peut utiliser et d'autres qu'elle ne peut pas utiliser. Oui, elle pouvait en utiliser une. Elle pouvait très bien lui proposer l'aide au Fonds social du logement plutôt que de lui donner un dossier de surendettement. Ouais. Déjà. Ou lui dire non, carrément, non, c'est non, pas possible, il n'y a pas d'aide possible. Je ne sais pas quelle est la situation particulière de madame, donc je ne peux pas vous dire si elle a bien fait ou elle a mal fait par rapport à ça. Moi, j'entends tout à fait ce que dit madame par rapport à ça. J'essaie de le repréciser dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, le travailleur social de base, il a un certain nombre de fonds qui existent et qui ont des limites, et qui ont des limites complètement aberrantes. Vous me parlez par exemple du FSL. Dans l'Ain, par exemple, dans le département de l'Ain, on n'a pas le droit, FSL, Fonds social de logement, on n'a pas le droit d'utiliser le FSL tant qu'on n'a pas 2 mois de retard de loyer. Qui c'était votre bailleur? C'est un privé ou un bailleur social? Non, HLM. Ben, moi, je suis très choqué que, parce que du fait que vous ayez 1 mois d'impayé de loyer, il y a toute une procédure à devoir mettre en place. Oh là là, mais c'est épouvantable. Et il y a 23 ans que j'habite dans un bailleur social, il a quand même des responsabilités sociales vis-à-vis de ces gens-là. Moi, je suis très choqué que, parce que vous avez 1 mois d'impayé de loyer, il y a toute une démarche qu'il faille enclencher, parce que 1 mois de loyer, c'est quand même pas la mer à voir. Ah, si. Et moi, il m'est arrivé il y a quelques temps. Il m'est arrivé il y a quelques mois de quelques temps d'avoir 3 mois de retard. J'ai été, on m'a, menacé des huissiers et on m'a menacé d'expulsion. Et il y a 23 ans que j'habite là-bas. Oui, oui. Et depuis, tant que j'y ai vécu avec mon mari, il n'y a jamais eu de problème. Ah oui. Jamais. Cet exemple, ça montre bien que l'urgence, elle ne se met pas en fiche. Hein, parce que non, mais l'urgence pour un office HLM, un mois de retard, pour une famille, loyer, je veux dire, je l'accepte pas. Bah oui, je vous comprends. Mais à cet endroit-là, si c'est comme ça que ça se passe, on le prend acte. Oui, non, mais ce n'est pas suffisant, je dirais. Ouais. Ce n'est pas suffisant. Parce que moi, je crois que la réponse permet à madame de régler son loyer et d'avoir une aide pour être en règle vis-à-vis de son loyer, il me semble que c'est un palliatif. Bien sûr. Quelque part, l'office ne fait moi, pas son travail. Assez, moi, j'ai été assez choquée hein, quand c'est arrivé. Hein. Moi, oui. Je me suis dit, je trouve c'est choquant. D'ailleurs, je leur avais fait une superbe lettre à ce moment-là, parce que j'avais vraiment été scandalisée. J'ai dit, mais ça fait 23 ans que j'habite ici, jamais eu un problème de ma vie, et là, vous, parce que je me trouve pour le moment à avoir des problèmes pour vous régler, vous me mettez, vous menacez de mettre dehors de mon logement. Je dis, mais c'est honteux, c'est scandaleux. Les deux assistantes sociales, l'assistante sociale de la mairie, l'assistante sociale du département, je les ai vues toutes les deux. Je ne peux pas dire qu'il y en ait une qui ait fait mieux que l'autre. D'abord, sur Sainte-Foy, on est une soi-disant une commune riche et il n'y a pas beaucoup d'aide, si ce n'est pas du tout. Elles ont apparemment pas de... Et quand je suis arrivée voir l'assistante sociale du département, première chose qu'elle m'a dit, « Ah, nous, on s'occupe des enfants. » Sous-entendant, madame, vous n'avez même pas pu venir, c'était aussi bien. Ce que vous avez dit, c'est vrai qu'actuellement, je vois pour le Conseil général de l'Isère, nous avons une mission dans le cadre de la polyvalence de secteur qui est pour l'ensemble de la population, voilà, que ce soit des isolés ou des familles. Oui. Sauf que nos moyens d'aide pour des personnes isolées sont beaucoup plus limitées, puisque avec les allocations mensuelles, on aide les familles avec enfants. Et sinon, pour les personnes qui sont seules, on a très peu de moyens d'aide, à part ceux qui peuvent être dans le cadre du Fonds de solidarité au logement ou du Fonds énergie, si ces personnes rentrent dans les... Parce que ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a des critères très précis de ces... Et donc, je pense que là, nous, par exemple, on se pose une question. C'est vrai que ça pose une question pour les personnes qui sont isolées, parce que si elles ont la chance d'être dans un lieu où il y a un CCAS actif... et qui, généralement, les CCAS vont aider plus les familles, les personnes isolées, y a des possibilités. Et s'il n'y a pas ça, il y a quand même une certaine inégalité. Donc, c'est des questions qui se posent. Donc, moi, je voulais poser un peu cette question du fait que, pour les familles, c'est vrai qu'il y a le Conseil général, il y a des règles, il y a des possibilités d'aide. On essaye qu'elles soient le plus juste possible sur l'ensemble d'un département, ce qui est normal. Par contre, pour les personnes qui sont seules, je trouve qu'il y a des inégalités importantes suivant les lieux où on est. Et moi, je trouve que c'est une question qui est...
qu'il faut poser. Mais la difficulté, je pense, c'est d'accéder à ces aides-là facultatives, que ce soit au niveau associatif, au niveau des CCAS, c'est que les personnes, quand elles vont voir l'assistante sociale, elles ne sont pas informées forcément des aides qui peuvent être possibles. Alors, et même les travailleurs sociaux eux-mêmes ne sont pas toujours informés de ce qui peut exister. La Poste n'intervient pas directement. En fait, le mois dernier, il y a eu une convention qui a été signée au niveau national avec la CNAF pour permettre aux personnes qui ont une aide de la part de la CAF, généralement elle n'est pas en espèces, et avec les institutions bancaires, il y a un délai d'encaissement qui est au minimum de 5 jours. Donc les personnes qui sont en difficulté, je dirais, elles ont un délai supplémentaire de 5 jours, ça ne les arrange pas non plus. Donc là, pour l'instant, on n'a qu'un site... qui est à la Duchère à Lyon. Bientôt, on va en avoir dans l'Isère et en Savoie, là, je ne peux pas vous dire exactement les sites. Et on va supprimer les délais d'encaissement. C'est-à-dire que la personne pourra avoir immédiatement son argent. Ah, ça, c'est bien. Je ne sais pas, chaque organisme ou chaque personne détermine le droit d'être en l'espace ou non. Souvent, par contre, au niveau des élus, ils ont comme principe qu'ils aideront plus facilement les personnes. Donc c'est la première fois qu'il leur arrive une situation de détresse et quand il y a une perspective rapide de résolution du problème. Les deux facteurs-là font que, en principe, on arrive facilement à avoir une aide financière, en principe. Après ça, il y a les autres facteurs annexes. Après ça, il y a les autres facteurs annexes qui sont liés à la personne. Aucune situation ne se ressemble. Et donc, à la fois, je crois qu'il faut... Enfin, moi, c'est une question que je me pose pour notre département. À la fois, avoir des règles, c'est indispensable. Mais en même temps... on est toujours dans cette question de l'expression de la personne, du diagnostic qu'on demande au travailleur social. Mais je crois qu'on ne pourra jamais tout... C'est l'humain, ça ne peut pas se mettre... Oui, tout à fait. Voilà. Donc je trouve qu'il y a une question là. C'est très important. Voilà, il y a une phase d'analyse. Oui. Mais qui dit cas par cas, ça peut dire que des fois on va trouver que ce n'est pas juste. Oui. Vous voyez la question, ouais. Je sais pas, moi, je trouve qu'il n'y a pas de réponse à ça. Nous, associations qui avons donc des aides facultatives, on est confrontés à ça tous les jours. Quoi. Effectivement, on a des critères parce qu'il en faut, mais on fait du cas par cas et c'est effectivement, on a parfois des gens qui savent par des intermédiaires que l'autre a eu ça, et puis bon... Et pourquoi pas moi? Et bon, ça se justifie effectivement par du cas par cas, parce que cette situation-là justifiait plus. Enfin bon, il y avait une étude, donc ça crée aussi des difficultés, effectivement, de sentiment d'injustice par rapport à l'autre. Et nous, on se retrouve avec un décalage énorme entre nos pratiques, où on regarde la situation des personnes, on demande aux personnes de justifier leur fiche de paie, leur salaire ou leur revenu, pendant 3 mois précédents, et puis on fait l'analyse le mois de septembre, on regarde, etc. Donc l'aide intervient comme ça, c'est pour comprendre pourquoi à un moment il y a eu cette petite dette qui s'est mise en place, etc. Et là, le décret a beaucoup de critères et demande les ressources de l'année précédente. Et donc on se dit, pour une aide ponctuelle, qui est une aide, par exemple, pour 1500 francs, pour une aide d'énergie, on va aller chercher les ressources de l'année précédente qui ne correspondent pas à la réalité du moment. Et on se retrouve maintenant avec un décret, c'est-à-dire quelque chose de réglementaire, à mettre en place et qui ne correspond pas du tout avec la réalité absolument pratique et des analyses qu'on a actuellement. C'est contraire à l'esprit de la loi contre les exclusions et c'est un décret qui est dans le cadre de la loi. Donc vous voyez dans quelle contradiction on se trouve. Et en fait, dans la façon dont on a appliqué, on fait l'inverse de ce qu'on, de ce qu'on voudrait faire. Alors moi, je trouve que là, il y a un problème. Il y a un gros problème. Donc ce serait peut-être bien de poser... C'est un bon exemple. Oui, c'est un très bon exemple, je trouve. Le double tarif, mais il y a deux choses. Mais il n'y a pas que le double tarif. Il y a le double tarif et il y a la façon... Non, il y a la façon, après, quand on fait une demande d'aide... C'est complètement ridicule qu'on nous demande de regarder les revenus de l'année d'avant. Ouais. Ce qui compte, c'est les revenus actuels, les 3 mois actuels. C'est une question qui me vient comme ça. Je ne sais pas qu'en faire, mais je vois quand je participe à la commission énergie, quand on regarde une situation budgétaire, il y a des dépenses, je dirais, de première nécessité. Puis il y a des dépenses de choix des personnes qui sont peut-être moins de première nécessité et qui parfois les mettent en grande difficulté. Et je suis très mal à l'aise et je ne sais pas trop comment
faire la part des choses entre des charges que je dirais régulières, normales, difficile d'employer des mots pareils, ouais. Et des charges qui me paraissent parfois moins, moins normales, mais où des gens parfois aussi sont victimes de, je dirais, de manœuvres, d'organismes traiteurs, de vendeurs en tout, ouais, ouais, en tout genre, de représentants de crédit miracle ou je ne sais trop quoi, moyennant quoi les gens sont étranglés. Alors, comment on avance face à cette question? Moi, je dirais, on peut non plus pas tout mettre sur le même plan, je pense. Parce que moi, dans ma vie personnelle, j'essaye aussi de ne pas mettre tout sur le même plan. Je ne vois pas au nom de quoi des personnes dans la pauvreté, dans la difficulté, n'auraient pas les mêmes désirs que nous. Et je ne vois pas au nom de quoi on viendrait s'ériger en leur disant, ben, ça c'est bien, vous avez le droit effectivement de vous endetter pour acheter un frigidaire. Mais vous endetter pour acheter une chaîne IFI. C'est vrai, la collectivité doit jouer son rôle de protection des droits des enfants. Mais, tu voulais dire quelque chose? J'ai eu des cas comme ça assez souvent au niveau de nos demandes d'aide financière, qui sont des gens, bon, par exemple, pour une assurance habitation, qui nous sollicitent, parce que l'assurance habitation, c'est quand même quelque chose de primordial, voilà. Et qui, à côté, nous disent, quelqu'un qui touche les RMI, j'ai une voiture, j'ai préféré payer mon assurance voiture que de payer mon assurance habitation. Ouais. Là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, on est vraiment dans le jugement de valeur de la personne. Elle a préféré payer son assurance voiture, qui était peut-être moins... Pour nous, peut-être moins... Un tourner sans assurance, c'est toujours gênant. Enfin, on payait la voiture, l'essence, alors, quelle règle vous vous êtes faite en interne, au moins, par rapport à ça? Quelle aide à la décision? On n'a pas de règle, on en discute. Mais c'est vrai que ça amène effectivement des discussions et je suis pas mal animée, parce qu'effectivement, avec les jugements de valeur qu'on a, nous, je veux dire, nous qui sommes salariés avec un salaire... qu'est-ce qu'il est, on ne s'autoriserait pas à faire ça. Donc comment on peut juger une personne qui a des petites ressources à ce comportement-là, quoi. Attends, je ne sais pas si c'est pas par vous d'ailleurs, que s'il fallait qu'il y ait par exemple un fonds d'aide non spécialisé, on cible un montant maximum. Non seulement ça, on cible dans un cadre des règles communes, et qu'il y a nécessité de laisser des libertés pour juger du cas par cas. Oui, les questions que vous soulevez, est-ce que ça ne relève pas du cas par cas? Oui, sans doute. Ouais. Est-ce qu'il ne faut pas bien dissocier? Enfin, dissocier, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelquefois des cas qui seront à cheval sur les deux. Je crois qu'en fait... Mais là, est-ce que ce n'est pas une question du cas par cas? Est-ce qu'on peut résoudre de manière générale la question que vous soulevez qui renvoie au désir de chacun? Bien sûr. Oui, mais des fois, on a des côtés très injustes, parce qu'il y a des moments où on va bloquer, effectivement, parce qu'il y a un crédit à la consommation, pour acheter, je ne sais pas quoi, un truc qui paraît, on fait ça en commission, superflu à la commission, et puis le cas d'après, on sera plus... Et on a des moments, où on le sait bien, où on a un peu d'injustice dans la façon dont on regarde les dossiers. Par rapport aux aides sociales, aujourd'hui, il y a un choix des institutions. À partir du moment où les fonds sont d'un montant limité, il faut les attribuer au plus juste. Donc on va demander à un travailleur social de faire l'évaluation et de se porter garant que les aides sont accordées dans des conditions satisfaisantes, en ne dépassant pas certains plafonds, pour éviter les dérapages. Je crois que c'est comme ça que les choses se passent. Et moyennant quoi, on fait des travailleurs sociaux, des évaluateurs d'accès à des dispositifs un peu de survie, au détriment de la fonction d'accompagnateurs sociaux. J'ai tant d'insécurité sociale, parce que je suis invalide et que je ne peux plus travailler, donc on me donne tant par mois. À côté de ça, ma caisse de retraite me donne elle aussi un petit quelque chose. On s'arrête là, c'est terminé. Jamais, jamais je rechercherai de travail parce que j'ai plus le droit de travailler et que j'en suis pas capable. Jamais la sécurité sociale me donnera plus parce que je m'appelle Madame Pizzichetti et que je lui parais sympathique. Mon
font l'autre jour d'accompagnement, la vieillesse, l'assistante sociale a téléphoné, ils lui ont répondu, oh là là, mais c'est qu'avant de donner une aide, il faut d'abord que l'assistante sociale de la sécurité sociale ait fait un papier, qu'elle ait signé, et après nous on voit en commission si on peut faire quelque chose. Donc vous pouvez toujours courir pour voir arriver quelque chose un jour. D'autant plus qu'on m'a dit que l'assistante de la sécurité sociale, il y aurait de grandes chances pour qu'elle ne me donne rien non plus. Il n'y a pas de raison, parce que les autres ne me donnent rien, pourquoi elle me donnerait quelque chose. Donc, ma situation, elle n'évoluera jamais. Jamais je vais changer de situation, même si je veux. Moi, je ne peux faire qu'une chose, c'est d'aller travailler au noir si je veux augmenter mon salaire et sortir de mes problèmes. Moi, je dépense plus par mois que je ne gagne. Moi, j'ai des crédits revolving. C'est une horreur ce truc, c'est quelque chose dont on ne sort pas du tout. Donc tous les 2-3 mois, comme j'ai un découvert qui s'agrandit, au bout d'un certain temps, on ne paye pas mon loyer, on ne paye pas les crédits revolving, on ne paye pas l'assurance de mon assurance maladie, enfin après, ce qui leur tombe sous la main, le premier qui leur tombe sous la main. Donc qu'est-ce que je fais moi? Ben, j'écris mes crédits revolving. Et puis je mets une somme d'argent sur mon compte. Donc ça va 2-3 mois. Puis 2-3 mois après. Allô, madame Bisighetti, on n'a pas payé le loyer, comme le mois dernier. On n'a pas payé ci. On ne paye pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je reprends au crédit revolving. Et puis ce crédit revolving, avant c'était 200. Puis après ça a été 400 par mois. Puis à présent c'est 600 par mois. Oui, c'est la filade complète. Et ça ne changera jamais. Alors, si on met la seule solution qu'on me donne, et mettez-vous en surendettement. Eh bien, je regrette, c'est quelque chose. J'y arriverai parce que je serai obligée. Mais c'est quelque chose qui va me coûter. Vous ne pouvez pas savoir l'impression de. Alors là, ça va être un petit peu plus la déchéance parce que je crois que le plus vous descendez de haut, le plus vous tombez bas. Et plus vous vous faites mal. Mais vous êtes allée la voir uniquement pour le problème de... J'ai été la voir pour qu'elle, si elle a bien... La dernière fois que je suis allée la voir, je suis allée voir celle du département, parce que l'assistante sociale de la mairie, elle n'a pas d'aide, elle ne peut pas, elle peut rien faire. Elle peut me donner un bon pour 3 mois pour aller chercher tous les 15 jours un sac de provisions. Voilà. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'elle a fait. Moi, je me suis dit, comme une imbécile... Je vais aller voir l'assistante sociale du département. Le département, c'est plus grand que la mairie. Peut-être qu'ils sont plus riches et plus généreux. Hein? Et là, on m'a dit, ah mais non, madame, nous, ici, on ne s'occupe que des enfants. Ah bon? Eh bien, madame, voilà. Vous voulez le... Et je lui ai demandé. Je lui ai redemandé qu'elle me fasse un bon alimentaire, un bon pour la banque alimentaire, c'est même pas elle qui me l'a proposé, c'est moi qui lui ai demandé. Et bien quelque part, que ça soit l'une ou l'autre, il y a quand même un problème quelque part, hein. Ou alors vraiment je ne suis pas douée pour me vendre. Quand je regarde les aides financières et quand je vois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont enterrées par des cartes, par des crédits, je me dis, est-ce que la réponse... Mais ça va au-delà de nous ici. Mais au niveau social, au niveau réponse à ce phénomène, qu'est-ce qu'il est fait pour dénoncer ce fonctionnement? À savoir, lorsque des gens sont en difficulté, ils n'ont d'autre solution que celle-là. Que de s'en mettre en cause. Je trouve que là, ça, c'est une question de fond.